Bonjour tout le monde, ici Hélène Makeup. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée et de toute façon je la fais chaque année. C'est une vidéo make-up de Noël, vu que Noël est passé. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, donc un bon nouvel an, un bon Noël, que vous avez bien profité de toute votre famille et que vous avez été gâtés. D'ailleurs je sais que j'étais aussi beaucoup gâtée, donc cette vidéo n'est non pas pour me vanter mais pour montrer bel et bien mes cadeaux de Noël, c'est le but de cette vidéo, donc voilà, si vous n'êtes pas content, quittez cette vidéo. Avant de commencer, je pense que vous avez remarqué que j'ai encore changé de place ma chambre, mais en fait je préfère cette disposition là, donc j'ai remis dans cette disposition là. Cette vidéo aussi je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec mes sous de Noël, parce que il n'y a pas que des cadeaux de Noël, il y a aussi des articles que je me suis acheté. Je vais tout d'abord commencer par Sandro parce que j'ai eu beaucoup de cadeaux de cette marque. J'ai eu le t-shirt Thanks, donc de la collection été 2018, qui est super beau, et derrière il y a marqué plein d'inscriptions comme ça, c'est tout en velours. Je l'avais essayé lorsque j'étais à Strasbourg, quand j'ai acheté ma jupe en jean Sandro aussi, mais en fait déjà que j'avais acheté ma jupe plutôt chère, ma mère elle voulait pas mettre encore 75 ou 85 euros dans un t-shirt. C'est une taille 1 hein, et voilà, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup beau. J'ai aussi eu ma petite paire de chaussettes Sandro, je la voulais énormément, je la kiffe trop trop trop. Si vous me suivez sur Insta, vous aurez pu voir que je l'ai déjà vue, enfin que je l'ai déjà portée. Donc voilà, là elles sont propres hein. Du coup en fait elles sont noires à paillettes, je sais pas si on voit très bien. Mais après c'est marqué Sandro sur la languette comme ça, mais genre elles sont vraiment genre trop 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 belles. Et après pour finir les cadeaux, vous avez aussi dû les voir, enfin dû le voir sur Instagram si vous me suivez. Si vous me suivez toujours pas, le lien est en barre d'infos. J'ai eu le sac Sandro que j'ai mis dans ma wishlist, donc qui est celui-ci. Il est vraiment genre hyper hyper beau, je suis hyper contente, c'est vraiment un sac que je kiffe de ouf. Je sens que je vais vraiment pas m'en lasser. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent passer dedans. Moi enfin quand j'étais à Paris j'arrivais à mettre mes gants, ça et mon porte-monnaie, donc il y avait quand même pas mal de choses qui passaient. Et puis de toute façon j'ai pas besoin de mettre d'autres choses. Une petite poche derrière, et c'est là en fait où je mets tout le temps mon téléphone, vu que c'est plus pratique genre quand je suis à la caisse ou quoi, genre quand je le sors tu vois, après il faut que toujours que j'ouvre comme ça, c'est un peu chiant. Alors là je le mets hop derrière et c'est tellement plus pratique. Puis en plus ce côté avec les chaînes dorées comme ça, genre il est trop 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 beau. Il existe en noir aussi pour ceux qui sont intéressés. Avec mes sous de Noël, je me suis acheté deux articles chez Sandro. Donc en premier c'est un jean comme ça qui est trop 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 beau. Il y a un petit trou par là et en fait il y a plusieurs couleurs et il tombe vraiment super super bien. Vraiment je suis hyper contente. Et après je me suis aussi acheté un t-shirt comme ça, tout noir, de hyper bonne qualité. On dirait un peu qu'il est transparent mais en fait non, pas du tout. Marqué Girls Can Dream. Et du coup lui je l'ai payé, il était de base à 75, c'est la collection 2017. Il était soldé à 45 au prix de la vallée, et il y avait un point rouge, je sais plus combien c'était. Mais en gros je l'ai payé vers les 20 euros, enfin je vous montrerai le ticket de caisse après, mais en gros genre je l'ai vraiment pas eu cher du tout. J'ai gardé la petite étiquette vu que je l'ai déjà porté plusieurs fois le jean. Il était à 195, il était soldé prix vallée à 117 et il y avait un petit point jaune pareil, enfin orange. Et du coup, en tout j'ai payé 92,70, donc c'est pas cher du tout. Sachant que le prix du jean de base c'est 195, donc vraiment je suis hyper contente, j'ai fait de hyper bonnes affaires. Et j'avais déjà un jean Sandro et franchement je l'ai sur kiff. C'est vraiment de la hyper bonne qualité, je valide. Ensuite je vais passer à Zadig et Voltaire. J'ai eu un cadeau du coup Zadig et Voltaire de la part de ma mamie. C'est le petit porte-monnaie comme ça en cuir. Il est hyper hyper beau, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, il y a toutes mes affaires en gros, genre de l'espèce, mes cartes d'identité ou quoi. Voilà, il est super beau, il est hyper doux comme cuir, enfin c'est vraiment de la hyper bonne qualité. Et vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce petit porte-monnaie, je suis hyper contente. Après j'ai aussi beaucoup eu de cadeaux de chez Mercy Andy. D'abord j'ai eu le pack des 3 Mercy Andy, donc collection de Noël. Ces deux là je les avais déjà eu, celui là c'est le Jungle Fever, ouais voilà. Celui là c'est le Cherry Cherry, je sais pas comment on dit. Celui là c'est le Namasté, c'est en leur nouveau. Et ce qui est bien avec ceux là c'est qu'ils sont tous pailletés, on voit pas très bien. Mais en gros ils sont tous pailletés et c'est trop mignon. Et vraiment j'adore les Mercy Andy. Je m'arrêterai jamais d'en acheter en fait. Après de la part de ma soeur j'ai eu d'autres cadeaux Mercy Andy. J'ai eu la petite trousse comme ça du pack Unicorn. Donc il y a le Mercy Andy Unicorn, celui que j'avais à Paris donc je l'ai bien utilisé. La crème donc pour les mains que je n'avais pas, donc je suis hyper contente, elle sent vraiment hyper bon.
et j'ai eu un petit miroir de poche. Juste la pochette est vraiment hyper cute, elle est trop belle. Après elle m'a aussi acheté une bougie Mercy Andy, alors ça je m'y attendais pas du tout et vraiment c'est une des meilleures bougies que j'ai jamais eu de toute ma vie, elle est trop bien. C'est la Black Vanilla, elle est vraiment hyper belle, c'est un gros pot quand même, j'ai déjà fait brûler, elle sent ultra bon la vanille et du coup bah voilà, je suis hyper contente, c'est vraiment une hyper bonne bougie. De la part de ma soeur j'ai eu deux autres cadeaux. En premier c'est un foulard de soie de chez Karl Lagerfeld, comme ceci. Attendez, je vais essayer de mettre dans le bon sens. Voilà, je trouve hyper beau, c'est de la 100% soie, franchement je l'adore, il tient hyper chaud et moi en ce moment je suis à fond sur les foulards de soie. Et le dernier cadeau que ma soeur m'a offert, c'est un livre sur les plus grands couturiers italiens, donc la haute couture italienne. Ce livre est juste sublissime. Vraiment, ce livre, c'est une pure bombe. Rien que le côté et tout, il est doré et tout. Genre, il est trop beau. J'ai pas encore commencé à le lire parce que j'ai un autre livre à lire pour la rentrée. Je suis impatiente de le lire parce que moi et la mode, vous savez que c'est une grande histoire d'amour. Surtout la haute couture, quoi. J'avais oublié de vous parler d'un cadeau que mon oncle m'a fait. La marque Teoxane, c'est la marque pour laquelle il travaille. Donc, je vais vous montrer ce qu'il nous a offert. Enfin, en fait, il a fait cadeau à tout le monde de cette marque. D'abord, j'ai eu une crème pour le jour et même pour la nuit. Moi, je la mets deux fois par jour, quoi. C'est la Bouclier Urbain Quotidien. Il y a même un SPF 30 dedans. Elle est un peu teintée, enfin très légèrement, donc c'est plutôt cool pareil. Je la trouve vraiment hyper bien, c'est vraiment une crème que je vous conseille, même si je sais qu'elle n'est pas donnée, j'ai regardé sur le site, aux alentours de 70€ il me semble. C'est vrai que c'est pas donné, mais c'est quand même une crème qui vaut le coup, c'est quand même 50ml, c'est un grand contenant et c'est pas non plus de la merde quoi, enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et après, il nous a tous mis dans nos sacs des masques pour le cou et pour le visage. On a deux visage et deux pour le cou dedans. Et bah, je les ai testés, enfin j'ai testé que un pour le visage, donc il m'en reste un pour le visage et deux pour le cou du coup. Et c'est vraiment des masques qui sont hyper cool. Je connais pas du tout leur prix, par contre j'ai pas regardé pour ça. Donc je vous en parle un petit peu dans mon vlog à Paris qui sortira mercredi, donc d'invite à rester actif sur ma chaîne. C'est vraiment une hyper bonne marque, je suis hyper satisfaite de l'avoir connue. Donc je vous mets le lien du site en barre d'infos si vous voulez commander ou même voir leurs produits. Maintenant je vais passer à la partie des achats, donc avec mon argent. En premier, enfin ça en fait c'est pas ce que je me suis acheté, c'est une amie à ma soeur qui m'a donné des hugs. Voilà, je suis hyper contente. Même si des hugs m'ont tente, bah ça peut quand même faire un peu un beau style, vous voyez ce que je veux dire. Le seul problème c'est que c'est une taille 4-5. Donc c'est égal à un 35-36, donc c'est très petit. Je suis un peu serrée mais je vais essayer de rembourrer un maximum pour aplatir la fourrure qui est à l'intérieur. Et après, en parlant des hugs, je m'en suis aussi commandée sur le site vente privée, sur la vente Love Moschino. Du coup je vous insérerai une photo ici parce que je les ai pas encore reçues. Normalement elles arrivent entre aujourd'hui, là on est le 5, entre le 12, donc voilà, je les reçois bientôt, je suis trop contente. C'est des hug base, du coup, enfin forme hug, et c'est marqué Love Moschino sur le côté. De toute façon je vous mettrai la photo ici. Je l'ai payé 90 à la place de 200, donc l'affaire du siècle, je vous en parle même pas. Je me suis acheté des petites choses chez Sephora vu que j'ai une carte cadeau de 30€, donc c'est plutôt pas mal. Je me suis d'abord acheté, enfin racheté du coup, mon mascara qui est le There Real. D'ailleurs vous me demandez souvent qu'est-ce que c'est mon mascara, mais c'est celui que je porte sur les cils. C'est vraiment le meilleur mascara que j'ai testé. Il coûte 27,50€, donc c'est pas très cher pour un mascara qui va vous durer à peu près 5 mois. Donc voilà, c'est vraiment un mascara que je vous conseille parce qu'il est hyper bien et fait des cils de ouf malade. Vraiment je le valide à 100%, donc c'est pour ça bah, du coup que je l'ai racheté. Le monsieur s'est acheté un petit vernis noir parce que ça peut paraître bizarre, mais j'adore le vernis noir. Et ces petits vernis œufs de chez Sephora, je les trouve juste trop top. J'en avais déjà acheté 3 et du coup j'ai une petite boîte, je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ceci. Elle existait en rose mais il n'y en avait plus, alors du coup j'ai dû prendre la bleue. Et voilà, bah du coup j'en ai un de plus. Et vraiment c'était hyper bon vernis, je suis hyper contente de me l'avoir acheté parce que ça fait un petit moment que je voulais m'en racheter un. Et pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler d'un petit truc. Très rapidement, mon frère a eu un nouveau Mac, donc le MacBook Air, il est hyper lourd. Je me retrouve avec le MacBook Pro. La conclusion c'est que j'aurai le temps de faire plus de montage, mais bah, aussi parce que je pourrais être un petit peu plus présente sur YouTube. J'essaierai vraiment en cette année 2019 de vraiment m'investir sur YouTube parce que plus de 5200 sur YouTube, donc vraiment je suis hyper contente. On est plus de
1150 aussi pareil sur Instagram, donc c'est quand même beaucoup, j'ai quand même une grande communauté, vous me soutenez tous les jours et ça c'est super cool, je suis hyper contente. Bon maintenant c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aussi vous avez été gâtés à Noël et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, commenter si cette vidéo vous a plu aussi. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.